Bonjour, je présente Ithaca. Donc Ithaca, vous avez des pions et un petit quadrillage. Donc vous allez placer les pions comme ceci. Donc là, j'en ai pris d'autres pour vous montrer. Le but du jeu, c'est d'aligner trois pions. Les pions sont aux deux joueurs. C'est-à-dire qu'aucun joueur n'a la priorité des pions. Donc on va jouer avec un joueur jaune, un joueur violet. Donc c'est au joueur jaune de jouer. Donc on peut avancer son pion d'autant de cases que l'on veut, dans la direction que l'on veut. Donc mais par contre, le joueur ne doit pas, hein, par exemple, si le bleu joue celui-ci, eh bien l'autre bleu ne pourra pas rejouer le même. Alors vous comprenez bien que le bleu ne va pas jouer ce pion-là ici, car sinon l'autre bleu avance et c'est gagné. Donc le bleu décide de se mettre ici. Alors c'est le joueur jaune qui commence au joueur rose. Donc le joueur rose décide de se mettre ici, au joueur jaune. Donc le joueur jaune ne va pas se mettre ici, sinon après le tour d'après, c'est gagné. Donc le joueur jaune décide de se mettre ici. Le joueur rose décide de se mettre ici. Le joueur jaune décide de se mettre ici. Le joueur rose décide de se mettre ici. Le joueur jaune décide de se mettre ici. Le joueur rose décide. Alors, si on répète trois fois le même mouvement, par exemple, si un joueur fait tout le temps ça trois fois, c'est perdu. Donc, maintenant, c'est au joueur de jouer. Donc, il va mettre ici, à l'autre, ici, 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 hop, erreur. Le joueur noir, enfin le joueur peut aligner trois pions. Donc il a gagné. Voilà, Ithaca, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. Au revoir.